Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, enfin après 6 mois, je vous présente la suite de ma transformation. Et c'est même pas pour faire le mec, oh je suis musclé, c'est juste parce que j'ai envie de vous apprendre aussi comment vous transformer. Donc on va aborder 4 points, l'alimentation, le sport, la récupération et bien sûr, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, frère, tu peux rien faire dans ta vie. C'est parti. Pour la partie nutrition, je sais que vous savez à peu près comment on mange le midi et le soir, mais le matin, il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que je peux manger. Alors, je vais présenter un petit déjeuner que j'ai pris pendant 2 mois. Il est magnifique. Vous allez voir tout simplement juste avant ma séance de sport. Donc, on a des flocons d'avoine. Avant de me dire c'est dégueulasse, c'est juste que tu sais pas comment les cuisiner, frérot. Tu vas prendre un bol. Ça, faut préparer la veille. Comme ça, le matin, ça sera prêt, tu vas voir. Tu prends 2 cuillères. Donc, moi, ça me fait à peu près 60 grammes. Une deuxième cuillère. On a à peu près 60 grammes. Ensuite, il te faut du cacao sans sucre. C'est vraiment très important. Je viens rajouter comme ça une petite pincée. Voilà, hop, j'en ai mis un peu beaucoup parce que là, c'était rempli. Je viens de racheter un nouveau pot. Ensuite, de la protéine. Ça, c'est pas obligé, mais moi, j'aime bien parce que j'aime pas manger des œufs le matin ou de la viande. Je préfère prendre ça, ça passe mieux. Je viens mettre 30 grammes. En plus, c'est goût chocolaté. C'est bio. Franchement, ça passe hyper crème. Hop, je viens mettre ma petite scoop. Une fois que tout est prêt dans le bol, tu mélanges. Faut bien que ce soit bien mélangé. Vraiment bon pour ta santé, ça va te donner une énergie de malade mental à la salle. Une fois que c'est mélangé, tu viens mettre du lait. Tu mets le lait que tu veux. Moi, j'aime bien le lait d'amande parce que c'est du lait végétal, ça se digérera facilement. Tu viens, tu mets à peu près 180 ml. Là, pareil que tout à l'heure, tu mélanges pour bien que tout se mélange. Voilà. Je vais le mettre toute la nuit au frigo, tu vas voir, demain, ça va gonfler. Demain, on ajoutera une banane, tu vas voir, du chocolat, du miel ou sinon du sirop de pancake, ça va être grave bon. Tu mets bien un plastique comme ça au frigo toute la nuit, tu vas voir comment ça va gonfler après. Voilà, impeccable. Le lendemain matin, tu mets ton bol à chauffer au micro-ondes pendant 40 secondes, tu ouvres ton micro-ondes, tu mélanges et tu remets pendant 40 secondes. Dans ton bol, tu peux ajouter ce que tu veux. Ce que je te conseille, c'est de mettre des bananes coupées en morceaux. Tu continues avec 2 carrés de chocolat, 70% de cacao et mettre soit du miel, soit des pancakes. Et là, c'est incroyable. La partie qui vous intéresse le plus, l'entraînement est là, écoutez bien, ouvrez vos oreilles comme ils disent les profs quand ils doivent vous parler d'un truc important. Déjà que tu t'entraînes seul ou accompagné, c'est la même chose frère. Vous allez dire, ouais t'as un frère, t'es bien, et mon frère il est pas disponible. Tu vois lui, il s'en bat les steaks, il y a 11h, moi je fais mes séances, lui il est pas là. Bref, il faut progresser. Si tu t'entraînes toujours avec les mêmes charges, les mêmes intensités, tu prendras pas de muscles. Je vais t'expliquer, tu vas tout de suite comprendre. Aujourd'hui c'est les pecs. J'essaie de m'entraîner tous les jours, moi, perso, sauf quand je suis fatigué. Exemple, aujourd'hui, là, c'est le dernier jour. Après, demain, je pense que je vais être cuit. Là, il me reste 50% d'énergie. Demain, jour de repos, Inch'Allah. Entraîne-toi tout le temps et dès que tu penses que tu es cuit, il m'est arrivé, des fois, je vais pour m'entraîner, je suis sur la barre, je pousse, je vois, je suis cuit. Vas-y, pas de séance aujourd'hui, repos. Et ça, c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, c'est les pecs, tu vas voir. J'ai 5 exercices que je fais tout le temps, toutes les semaines, les mêmes exercices. Sauf que j'augmente les poids, tu vas tout de suite comprendre. Voici mon tableau, il va te falloir un tableau ou un cahier ou une feuille ou dans ton portable ou ton bloc-notes, tu fais ce que tu veux. Les pecs, c'est là-haut. T'as vu tous les jours les mêmes exercices. Alors cette semaine, on doit faire développé couché, 5 répétitions à 90 kg plus 10 pompes. On va essayer de faire ça 4 fois. Si on y arrive, tu vas voir comment on progresse toutes les semaines. Allez, je dois en faire 5. C'est pour vraiment pour la force. 90 kg, alors que là, je fais à peu près 85, 90 kg. Allez, c'est parti. Ça devrait passer, Inch'Allah. Ah putain, c'est lourd. Ah putain, mais j'ai une douleur là depuis un mois. Là, je sais pas c'est quoi, mais ça fait mal. Là, je continue direct avec 10 pompes sur le banc en contractant bien les pecs. Comme ça. Ok, je vais faire ça 4 fois. Là, je fais ça 4 fois et ensuite, regarde. Ensuite, dès que j'ai réussi, j'efface 90 kg. Et là, je vais mettre 92 kg. La semaine prochaine, ça sera 5 à 92 kg. Toujours progresser. Et progressez pas de 5 kg en 5 kg. Allez-y doucement. On passe à l'exercice numéro 2, la famille. 53 kg, donc ça fait 106 kg pour le haut des pecs. C'est parti, ça va être très très dur. Je dois en faire combien selon le tableau? Je dois en faire 11. La semaine dernière, j'ai dû en faire 9 ou 10. Allez, on y va. Ça, pour les ramener, c'est la merde. Allez, bismillah. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10 et 11. Voilà. Ensuite, je peux en faire 11 à 27 aussi. Pas des fragiles de merde. Voilà. Là, reposez-vous. Il n'y a pas de corde à sauter parce que c'est vraiment dur. Reposez-vous. Moi, je dis entre 1 minute et 1 minute 15. C'est bien. Même principe que tout à l'heure. Dès que tu as fait tes 4 séries, là, tu effaces et tu mets 13 répétitions. Ici, pareil, 13 répétitions. Voilà, pour l'entraînement, je pense que tu as bien compris, progresser. Faites jamais les mêmes choses parce que ton corps, il s'habitue. Pour que tes muscles, ils grossissent, il faut vraiment que tu progresses. Tu stresses ton corps tout le temps plus. Comme ça, lui, il va dire, faut que je fasse plus de muscles. Je finis mon entraînement tranquillement. Repas du midi, c'est simple. Même si tu manges à la cantine, tout ça, tu prends des légumes, des protéines. Moi, ici, j'ai du thon. Tu peux prendre de la viande, des œufs ou alors du poisson comme tu veux. Et une source de glucides, ça va t'apporter de l'énergie. Là, j'ai du blé. Un petit dessert et c'est carré. Ceux qui pensent que pour faire une sèche ou boire à la musculation, faut manger tout le temps ça. Non, si je veux, je me fais un hamburger avec des frites au four, c'est carré. Et le poids aussi, ne calculez pas trop le poids. Je vais vous mettre ici toute mon évolution du poids pendant 6 semaines et c'est n'importe quoi. Mais quand tu perds du gras et tu prends du muscle, bah, le muscle, ça prend du poids. Donc c'est normal que ton poids, il n'est pas forcément... Moi, je pensais que j'allais faire 82 kilos, t'as vu. Mais bon, bref, bon appétit à tous. Et puis on se retrouve après. Et là on découvre les résultats de Younes. Donc Younes, vous avez vu que son dos il s'est bien dessiné, il est bien sec, bien tracé avec du muscle, avec de la masse musculaire, franchement c'est pas mal. Là je crois qu'il a 86 kilos, franchement ça pas mal hein. Il a fait une bonne transformation là, vous voyez, on voit les abdos qui se dessinent, les muscles au niveau des pecs, au niveau des bras. Oh là c'est incroyable, là c'est incroyable. Ceux qui se disent ouais Younes t'es grand, tu fais tes repas tout seul, c'est grave facile. Eh frère, je suis en famille nombreuse, regarde les tentations poteau. Téma, t'ouvres, là t'as une partie tiramisu. Là, t'as une partie cupcake. Regarde, comment tu peux résister à ça? T'as une partie gâteau d'anniversaire avec du coulis. C'est un truc, il y a des boissons. Donc moi, je suis comme vous, les Rey. C'est juste une question de détermination. Pendant le mois de décembre, tout le monde a grossi. Moi, j'ai perdu du gras et de l'eau, frère. C'est la détermination. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans cette transformation depuis 8 semaines, c'est que les deux dernières semaines, le soir, j'ai retiré tous les glucides de mon alimentation. Donc, je mange que des légumes et de la viande. Vous pouvez voir. C'est vraiment pas facile, il y a même des soirs, j'avais pas envie de manger, je me disais, je vais manger ça, ça sert à rien, je mange. Mais c'est super important et faites ça tout à la fin. Si vous faites ça dès le début, vous allez vous griller. Les glucides, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est les pommes de terre, les pâtes, le riz. Le soir, j'ai arrêté d'en manger parce que je fais pas de sport le soir. Du coup, l'astuce pour éviter de craquer, c'est qu'à la fin du repas, t'as toujours envie d'un dessert. Parce que tu fais, c'est que tu mets un peu de grenadine. J'ai trouvé une grenadine zéro, genre il y a tout zéro calories et tout. Tu mets de la grenadine comme ça. Hop, là il en reste plus. Putain, j'ai tout sifflé, faut que j'en rachète. Ensuite, tu mets un peu de gazeux. Voilà. Et dès que tu as fini ton repas, tu bois ça et ça va te remplir l'estomac. Et du coup, après, tu vas dormir vite. Va dormir vite, puisque si tu restes dans la cuisine, c'est mort. On arrive à la fin de la journée, la famille. Il y a aussi la troisième chose la plus importante. Sans ça, ça peut pas marcher. Le sommeil. Si tu dors pas au moins 7 à 8 heures par nuit, ça marchera pas, poteau. Moi, ce que je fais, c'est que je dors vers minuit et je me lève tous les jours entre 9h et 9h30. Comme ça, j'ai ma bonne récupération et bien sûr, tout est là. Grâce à l'aide de notre Seigneur. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un maximum de likes et je ferai la suite dans quelques mois. Eh, me dites pas, vous faites ça pendant 3 jours. Younes, ça marche pas. Les premiers résultats, je les ai eus au bout de 2 mois, frère, de sèche. Donc, ça prend du temps, c'est normal. C'est normal. Allez, ciao.